Avez-vous vu ce que j'ai vu? Aïe, 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 aïe. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce banc. Attention, c'est de tous abonnés. Abonnez-vous, mettez à la cloche et partagez cette vidéo. Parce que franchement, ce que je viens de voir, que j'aimerais partager avec vous, ça va vraiment vous étonner. Mes frères et sœurs, nous allons découvrir des choses hors du commun ici. C'est une première au monde. Ce que nous allons faire, c'est une subvention que vous pouvez voir ça. Et ce n'est pas tout. Il y a des choses extraordinaires que vous verrez par la suite. Abonnez-vous seulement, activez la cloche et partagez toujours nos vidéos. C'est très important. Maintenant, je vais vous poser une question. Dites-moi, mes frères et sœurs, c'est quoi la musique profane? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les gens passent-ils leur temps à chanter pour que les jeunes gens aillent avoir le sexe avec les gens ou se masturber? Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le temps dans les clips, on voit des femmes qui sont sexy? Souvent même les gens me parlent. Mes parents sont en train de parler, ils disent, hey, les jeunes d'aujourd'hui, oh, ceux-là même là, vraiment, c'est pas ce qui ne va plus avec eux. C'est une génération de sexe et de seins. Ils passent tout le temps à se plaquer et même à se changer les fesses souvent. Ah, une fille de 14, 15, 18 ans, elle allait se refaire les seins et les fesses, tout ça, tout ça, tout ça. Mais qu'est-ce qui peut pousser une personne jeune à penser au sexe alors qu'elle devait même penser à ses études et à comment elle va faire pour réussir, même pour venir en aide à ses parents? Hé, hey, qu'est-ce qu'il ne voit pas, qu'est-ce qu'il y a? Mes frères et sœurs, si vous voulez savoir, l'éducation qu'on donne à l'école, aux enfants, même à la maison aux enfants, ne sont plus vraiment suffisants. Des gens ont décidé de les éduquer. Et ceux qui ont décidé de les éduquer là, sont en train de travailler avec des forces obscures. Et c'est seulement par leurs œuvres qu'on peut voir ça. La télévision aujourd'hui enseigne tout aux enfants. Comment il faut embrasser une femme, un enfant qui regarde la télévision comme ça. Et tout le temps, il regarde des films où les gens embrassent les gens. Ah, selon vous, à quoi l'enfant va-t-il penser? Il regarde même à la télévision. Ses stars préférées sont en train de chanter et danser. Et leur manière de danser là, c'est comme si deux personnes sont en train d'avoir des rapports sexuels. Et ils se disent que c'est le show, ça fait partie du show. Toi, il faut écouter et puis il faut danser seulement. Toi, il faut danser seulement. Sans savoir que quand vous mettez à danser de telles danses comme le twerk, tout ça, vous êtes en train de danser pour les démons ou encore danser pour les esprits. Parce que dans tout ce que vous faites, soit c'est Dieu qui tire la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, le vrai Dieu, ou c'est le diable lui-même qui s'assoit sur la chose et il se dit, ah, voici quelqu'un qui a été de me louer ou encore qui a été de m'adorer par sa danse ou encore par sa manière de chanter. Ah, vous pouvez penser que c'est de la blague. Vous pouvez penser que ce sont des histoires. Mais ce que nous allons voir maintenant à ce niveau-là, nous allons vous dire, si vous n'avez pas 18 ans, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante parce que cette vidéo n'est pas pour vous. Bien que même les enfants tombent sur des jeunes choses. Mes frères et sœurs, si nous ne travaillons pas dur pour prévenir les gens de ce qui est en train de se passer, des personnes en milliers, même en millions, risquent d'aller en enfer. Parce que le diable a décidé d'utiliser les superstars pour conduire les âmes en enfer. Et les démons de la jeunesse sont en train de travailler, et même sérieusement. Et ça a l'air simple. Mais ce que nous allons vous montrer, vraiment, vous serez même surpris. Si vous avez peur des démons et des mauvais esprits, s'il vous plaît, regardez la vidéo suivante. Si vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité aussi, regardez aussi la vidéo suivante. Sinon, cette vidéo que vous allez voir, ce que vous allez voir là, ça risque même de vous étonner. Vous risquez de dire, ah, oh, i. Bon, suivez-nous. Est-ce que vous allez même partager même cette vidéo là? Allez-y, c'est le moment. Nous allons au studio. Si vous n'avez pas 18 ans, regardez la vidéo suivante. C'est pas forcé. C'est pas forcé, mon frère, ma soeur. C'est pas forcé. Regarde la vidéo suivante. Pas ton papa va te dire, ah, qu'est-ce que tu as regardé ici? Ou même pas ta maman va te surprendre. Pour dire, ah, tu regardes quoi ici?
Ce que nous allons vous montrer, mes frères et sœurs, normalement, ça devait être des choses cachées aux enfants. Malheureusement, ce sont les jeunes gens qui sont exposés à toutes ces choses. Regardez ça. Regardez maintenant ça. Regardez. Ah! Que voyez-vous? Quelqu'un m'a dit, mais franchement, je ne vois rien. Veux-tu que je t'explique? On va commencer par ici. Ici, on voit d'abord cet homme, on voit déjà Young Swibon. Il est étonné. Il s'est dit, mais incroyable, mais vrai. Parce qu'il a vu des choses qu'il aimerait vous raconter ici. Un homme qui était de chanter. Et sa chanson là a une manière de danser. Ça a même un titre. Et les gens dansent comme ça. Regardez comment les gens dansent. Ils dansent comme ça. Et cette danse là a un nom. Vous allez découvrir ça tout de suite. Ne vous inquiétez pas. Mais dites-moi, de la manière elle est positionnée comme ça là, à quoi pensez-vous? Selon vous, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Regardez comment elle a positionné ses deux mains et comment sa tête est levée vers le haut. À quoi pensez-vous? Même cette femme qui est ici là, peut vous donner des indices. Elle a même fait sortir sa langue comme ça. Et posez-vous la question, ça, mais qu'est-ce qu'il va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mais regardez bien. Qu'est-ce que ça décrit? Sans doute, elle a vu un truc qui est tellement sensuel, qui est tellement sexy, qu'elle a décidé de faire sortir sa langue pour dire, mais dis donc, qu'est-ce qui ne va pas là? Ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle beaucoup de choses. Des parties de jambes en l'air. Et quand on vit ici, on voit deux personnes qui sont en train de discuter. Qu'est-ce que ces personnes sont en train de se dire? Là, vous ne pouvez rien voir. Sinon, une image terrible qui est derrière le vêtement de cet homme. On voit une personne qui est comme en colère, mais c'est un peu étonnant. Jusque-là, vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce que ces gens sont en train de dire? Maintenant, on voit une femme ici. Elle tient un micro. Qu'est-ce qu'elle se prépare à dire? Vous ne pouvez pas savoir tout de suite ce qu'elle se prépare à dire. Chez nous, on dit, avant de juger quelqu'un, il faut d'abord découvrir cette personne, l'entendre, voir la vérité, avant de prendre une position. Ok. Maintenant, regardez ça. Soyez prêts à voir ce que nous allons voir. Soyez maintenant prêts, parce que c'est là maintenant les choses vont commencer. C'est parti. Comme vous voyez, nous nous trouvons sur un spectacle. Vous voyez, les gens viennent au spectacle pour chanter, danser. Et au cours de ce spectacle, cette star-là va arrêter la musique et va annoncer une bonne nouvelle entre guillemets à ses fans. Écoutons. Elle pose la question à ses fans. La prochaine danse qui va frapper, qui a fait même le buzz, là, est-ce que vous savez ce que c'est? Revenons en arrière. Vous allez voir tout de suite. Et dit que le nouveau concept qui arrive s'appelle Aoko. Écoutez, on appelle ça Aoko. On revient encore juste en arrière. Vous allez voir, vous allez découvrir. Écoutez, le nouveau concept qui va tuer s'appelle Aoko. Maintenant, regardez comment ça se passe. Regardez comment ça se danse. Voilà. Voici comment ça se danse. Voilà. Revenons juste un peu en arrière. Regardez. Regardez très bien. Regardez comment ça se danse. Ça me danse. Voilà. Voici comment ça se danse. Voilà. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Vous avez dit que non, je suppose que ce sont les histoires. Ce sont les histoires. Qu'est-ce que cette star vient de dire? Cette star vient de dire qu'elle a créé une nouvelle danse. Et cette danse, elle sait que cette danse-là va faire bouger beaucoup les jeunes. Est-ce qu'elle rigole avec ça? Vous pouvez penser qu'elle a de rigoler avec vous. Mais le problème, c'est le nom de cette danse et la manière de danser. Il dit que, et c'est ça, dit que cette danse s'appelle comment? Aoko. Et vous avez vu comment ça se danse, non? Maintenant, vous pouvez me dire qu'est-ce que signifie Aoko. Si vous, par exemple, n'êtes pas africain, vous ne pouvez pas savoir facilement ce que Aoko veut dire. Qui sait ce que Aoko veut dire? Dites-le-moi, mes frères, dites-le-moi. Aoko n'a jamais dit quoi?
Ça veut tout simplement dire masturbation en français pur et simple. Awoko signifie masturbation. Awoko, c'est un mot ivoirien, un mot qui vient de Côte d'Ivoire, qui signifie masturbation en français simple. Et cette star a créé une danse qui s'appelle masturbation. Et elle vous montre comment danser cette danse-là. Pourquoi? Est-ce que c'est pour que vous soyez des statues et puis regardez ça? Non, c'est pour que vous vous mettez aussi à danser la même danse qu'elle. Une danse qui s'appelle masturbation. Ah! Eh bien, mais si vous quoi? Une danse qui s'appelle masturbation? Oh, à l'église, les personnes nous disent toujours que la masturbation, c'est un péché. Et même des témoignages nous ont révélé que tous les masturbations, les masturbateurs plutôt, tous les masturbateurs iront en enfer. Mais pourquoi allons-nous nous mettre à nous danser comme ça? Parfois, le peuple périt par manque de connaissances. La masturbation, c'est mauvais. Si les docteurs vous disent que ça fait du bien, c'est mauvais. Et quand les gens créent des telles danses, c'est pourquoi? Les gens n'ont pas créé des telles danses pour que vous dansez juste comme ça. Soit cette danse va vous arranger ou ça va vous détruire. La question que vous allez savoir, c'est d'où ça vient. Quel esprit se trouve derrière cette danse? Et quels seront les effets de cette danse sur les gens? Maintenant, regardez comment les gens vont danser. Regardez les effets de cette danse sur les jeunes. Voilà. Voici les... Ça, ce sont les effets. Voilà. Voilà. Et la jeunesse ne sait même pas ce qui se passe. Les jeunes ne savent même pas ce qui se passe. Hein. Et tout le monde danse. Tout le monde danse. Regardez le monde. Il y a une multitude dans la vallée de l'homme de la mort. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Quoi. La masturbation qui mène les gens en enfer. Les gens dansent des danses qui s'appellent masturbation. En fait, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Et c'est une nouvelle danse que les gens vont danser ces temps-ci. Bonne rentrée à tous. Bonne rentrée à tous. Hey. Maintenant, allons-y plus loin. Vous allez comprendre quelque chose. Nous allons voir maintenant une deuxième partie. Deux autres stars qui seront en train de dialoguer. Maintenant, vous allez écouter les dialogues. Hein. Écoutons ce que ces deux stars sont en train de dire. Écoutons. Ces deux stars disent qu'elles ont une question à poser à toutes ces belles femmes, ces femmes qui se trouvent juste là dans ce concert-là. Et vous allez maintenant entendre bien leurs questions, écoutez bien. Et il demande à tout le monde de taper les mains. Voilà, parce que c'est le show, c'est comme à l'église. Il faut applaudir parce que le Seigneur est présent. Voilà, c'est comme à l'église. Voici sa question. Ça, c'est sa question. Écoutez bien sa question. Voilà. Et regardez comment il danse. Regardez comment il danse. Vous voyez ça? Voilà. Voilà. Merci beaucoup pour votre question. Votre question est vraiment bienvenue. Hey! Dis-moi qui fait les choses avec toi. Dis-moi qui fait les choses avec toi. Et il danse juste comme ça. Juste comme ça. Il danse juste comme ça. Il danse juste comme ça. Juste comme ça. Et il danse comme ça. Et il danse comme ça. Mon Dieu! Et les enfants vont regarder ça. Les enfants vont se poser même la question de ça, mais
De quoi parles-tu? Ça va éveiller leur curiosité. Et les enfants vont juste aller chercher à savoir qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ce mot-là veut dire, qu'est-ce que cette question-là signifie. Mes frères et sœurs, peut-être dites-moi, que se passe-t-il dans l'industrie de la musique? De la musique profane, bien entendu. Quelles sont ces manières de danser qui nous font penser au sexe? Et pourquoi c'est comme ça? Posez-vous de vraies questions avant de danser les danses et de suivre les gens n'importe comment. Maintenant, vous pouvez penser que nous sommes en train de rigoler avec vous. Ok, quittons l'Afrique, allons aux États-Unis. C'est parti. Ici, on voit une femme qui a été dansée tranquillement dans un spectacle. Et vous allez voir ce qui va se passer. Elle apparaît, elle tourne autour du gars. Et regardez, hein. Regardez bien ce qui se passe, hein. Regardez vraiment très bien. Regardez très bien. Voilà, elle bouge comme une femme qui se fait désirer et tout à coup, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, elle s'abaisse comme si lui, il était tenté d'avoir des rapports avec elle. En plein concert et les gens sont d'applaudir. Regardez bien, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Suis-je en train de rêver ou quoi? Attendez, écoutez bien vos yeux. Ce n'est pas bien vu, ce n'est pas bien vu. Revenons en arrière, regardez encore. Voilà. Ah! Les enfants commencent à se poser la question. Même regardez les enfants, ils sont ici. Ils sont même là. Est-ce que vous les voyez? Regardez. Ils sont même en train de regarder la scène. Regardez bien. Hein? Les jeunes gens, ils sont ici. Et ils se posent la question. Papa, viens voir. Regarde ce que je veux te voir à la télévision. Papa, regarde ce qui vient de se passer. Je ne sais pas ce que ça veut m'expliquer. Viens m'expliquer, papa. Et maman, viens voir. L'enfant ne sait rien. Les jeunes ne savent rien de ce qui se passe. Mais ils sont délicats. Mais que se passe-t-il derrière ça? Ce que tu veux de voir là, même si tu es un gars qui n'aime pas la vérité ou qui fait semblant de ne pas voir, ce que tu as vu, tu sais ce que ça veut dire? C'est pas de ma bouche où tu as sorti ton piment. Le piment là, ça brûle. Faudrait pas que moi je vienne goûter ça à ta place. Faites attention. Le diable est tenté de faire un travail sérieux en utilisant les stars pour conduire les jeunes gens dans le péché. Et quand les jeunes gens seront maintenant dans le péché, il ne vaut plus aller au paradis. Il faut aller en enfer. Parce que quand vous allez dans de tels spectacles où les gens dansent avec des positions de Kama Sutra, position sexuelle, tout ça, vous ne pensez pas que quand vous allez quitter cet endroit-là, ou au moment où vous êtes dans cet endroit-là, dans ce concert-là, vous ne pensez pas que vous irez au paradis. Hein. Ha! En ce moment, les gens vont dire après votre mort, ah, paix à son âme. Là, Dieu ne va plus parler beaucoup. Il va juste regarder ce que vous faisiez sur la terre. Et ce sont vos yeux qui vont parler pour vous. Maintenant, vous pouvez penser que c'est de la blague. Voici encore un truc terrible que nous allons vous montrer. Dans un clip que tout le monde va regarder, même les enfants. Regardez ce qui se passe. Regardez bien. Des gens sont en train de s'embrasser. Voilà. Est-ce que même vous avez vu même? Bon, regardez encore. Regardez. Voilà. Deux femmes, hein? Deux femmes, deux personnes du même sexe. Voilà. Mon Dieu. Mes frères et sœurs, soit vous êtes avec Dieu ou vous êtes avec le diable, on ne se moque pas de Dieu. Les gens m'ont dit, ah, il y a Dieu dedans, Dieu est avec Dieu, Dieu est dans ce que je suis en train de faire. Mais en clair, c'est le diable qui est dedans, même c'est le diable qui est dedans. Les gens m'ont dit, ah, c'est le coup de poing de Jésus. Mais le Jésus dont on parle, le vrai Jésus-Christ, lui, il est saint. Parce que lui-même, son Père est saint. Jésus-Christ, c'est le Fils et Dieu, c'est le Père. Vous pensez que quoi? Que Dieu, il est bête ou quoi? Vous voulez aller au paradis ou vous voulez aller à l'enfer? Le jour meurt tôt. Parce qu'ils sont en train d'ouvrir la porte de leurs âmes aux démons. Dès que tu te mets à danser comme ça, le diable rit et il se moque de toi parce que il s'est dit, il t'a déjà eu.
Parce que ce que tu es en train de faire là, toi-même tu es censé savoir que c'est pas une bonne affaire. Deux personnes de même sexe ne peuvent pas s'embrasser, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Deux personnes de même sexe ne peuvent pas aller ensemble, ne peuvent pas coucher ensemble. On ne peut pas venir faire des démonstrations de parties de Kamasutra en public ou en plein concert. Dis à ton ami qu'à côté, ça, tu n'as encore rien. Dis à ton ami qu'à côté, ça, tu n'as encore rien. Tu n'as encore rien vu. Si tu penses que tu as fini de voir les choses, tu te trompes. Maintenant, ce que vous allez voir, à part approcher la caméra, tellement c'est du sale. Il faut être clair avec vous. Il faudrait que quelqu'un vous dise quand même la vérité, non? Mais bien sûr que oui. Regardez ça. Est-ce que vous voyez? On va diminuer la luminosité. Vous voyez ça? Que voyez-vous? On voit des femmes qui sont là. Regardez les femmes qui sont là. Bon. Est-ce qu'on peut rapprocher la caméra? Toutes les femmes qui sont là, là. Regardez bien ça là. Regardez. Vous voyez des gens sur l'écran, non? Toutes ces personnes là, ce sont des femmes. Et elles sont toutes nues. Elles sont toutes nues. Elles ont positionné leurs mains là où? Elles ont positionné leurs mains là où il y a leur partie intime. Voici le point d'une personne qui vient ici. Partie intime. Jusqu'à là. Partie intime. Voilà. Regardez très bien. Voilà. Elle a positionné les mains juste là, le partie intime. La seule chose qui est floutée, c'est le bout de leur sein. Et la main qui cache le sexe. Sinon, mes frères et sœurs, tout est dehors. Et ça danse. Regardez. Voilà. Elle danse toute nue. Toute nue. Elle sortait de ses nues. Nue. Nue comme ça. Et on voit le sang sur certaines femmes. Regardez, nu. Mais toi, tu vas te poser la question, mais quelle est cette armée? Ça, c'est une très bonne question. Mes frères et sœurs, c'est une armée, effectivement. Et c'est l'armée du diable. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, vous devez savoir un truc. Vous devez savoir un truc. C'est que quand les hommes vous disent Jésus, 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 là, ou ils vous disent Dieu, 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 ils ne parlent pas tous du vrai Dieu. Il y a un autre Dieu qui existe. Et ce Dieu-là, il n'est pas pur. C'est un Dieu qui aime beaucoup le sexe. Et ce Dieu-là, il aime que les gens passent le temps à se masturber. Il aime que les gens passent le temps à avoir le sexe. Toutes les personnes qui se masturbent font sortir du spermatozoïde, une semence. Et quand ces personnes-là se masturbent, elles se masturbent avec des esprits, avec des démons. Et ce sont les démons-là qui bénéficient de cela. Ce sont eux qui en profitent, qui bénéficient, qui couchent avec les humains, qui passent le temps à se masturber. Et toi, tu vas passer ton temps à te masturber le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, mais tu vas arrêter. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a une femme même qui aime ça. Et cette femme-là, c'est un démon. Elle te visite même la nuit. Elle couche avec toi. Tant que cette femme est auprès de toi, hey! Faut même pas t'attendre à aller au paradis. Un conseil. Faut pas mourir. Parce que si tu meurs dans ça, là, même si les gens font des millions de prières pour dire rip, 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 paix à son âme, ça ne va pas marcher. Tu ne vas pas dire qu'on ne t'a pas dit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un chemin sans retour. Il y a des choses dans lesquelles tu es, et puis ça te piège. Toutes les femmes qui s'habillent de façon sexy, là, elles sont dans les problèmes. Toutes les personnes qui sont ivres, en train de marcher. Et mon frère, ne meurs pas dans ça. Parce que c'est comme si tu étais en prison même. Et le démon là, tu te maintiens là. La question que vous allez vous poser, mais c'est, pourquoi ces stars là même qui sont censés donner de bons exemples font des trucs pareils? Tu vas comprendre maintenant pourquoi c'est comme ça. Écoute ça. Voici une autre star qui s'est confessée pour nous dire des choses. Écoutons là. Elle dit, je voudrais vraiment vous dire ce qu'est réellement l'industrie de la musique. Et quel rôle ont les pop stars dans la destruction de ce monde? Là, cette personne est en train de nous dire clairement que le diable est en train d'utiliser des gens célèbres, des stars, pour détruire le monde. Et ils ont leur rôle à jouer. Et c'est leur rôle qu'ils sont en train de jouer. C'est pourquoi vous les voyez danser comme s'ils sont en train de masturber ou comme s'ils sont en train d'avoir des rapports sexuels. Ça, si tu penses que c'est pour t'arranger ou te faire plaisir, tu te trompes. C'est juste pour te détruire. Regardez, on parle de la destruction du monde. C'est la destruction du monde entier. Ça veut dire que c'est le diable qui veut détruire. C'est le diable qui est appelé le dieu de la destruction. Souvent, certaines personnes chantent des chansons où elles parlent du dieu de la destruction. Et là, elles sont en train de dire,
Ah, vraiment, c'est extraordinaire. Et les gens se mettent aussi à chanter la même chose. C'est une adoration à Lucifer, le diable, le destructeur. Est-ce que tu sais, mais est-ce que tu es au courant? Partage cette vidéo pour que les gens soient au courant. Ne dis pas qu'on t'a pas dit. Faut pas que tu aies des problèmes après. Puis tu as dit, ah, franchement, Dieu, je savais pas où. Je savais pas. C'est pourquoi on vous a dit. Le peuple périt par manque de connaissances. Parfois même, ces stars-là, elles sont forcées à faire ça. Parce qu'elles ont fait des deals, des contrats avec le diable. Et c'est ce qu'on leur demande de faire. Faites attention. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent que les stars, les célébrités sont des marionnettes. Parce qu'il y a des gens qui les utilisent. Il y a des sectes qui veulent détruire les jeunes qui les utilisent. Si par exemple, des gens veulent faire, veulent avoir du sang et qu'ils ne peuvent pas tuer tout le monde, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste demander à ce que les gens passent le temps à se masturber. Et quand tu vas te masturber là, qu'est-ce qui va se passer? C'est du dans ton sperme, il y a beaucoup de vie. Et c'est du sang, c'est une partie de toi. Ils t'ont pris gratuitement. Parce que derrière cette danse-là, des démons seront invoqués pour venir recueillir la semence, prendre la semence. C'est un truc qui est mystique. Le sexe est spirituel. C'est pourquoi le diable est tenté d'utiliser le sexe depuis là, sous forme de danse, pour pouvoir détruire la vie des gens. Le sexe est spirituel. Toi, tu vois une fille, elle est défaite, tu couches avec elle. Tu vois une fille, elle est défaite, tu couches avec elle. Tu es dans les problèmes. Tu es dans les problèmes parce que le diable veut détruire ta vie. Le diable veut détruire le monde. Et regardez. Je voudrais vraiment vous dire ce qu'est réellement l'industrie de la musique et quel rôle là ont les pop stars dans la destruction de ce monde. Les stars adorent Satan pour avoir le respect qu'elles ont maintenant. Le malin utilise la musique pour influencer des personnes. Certains de vos favoris font semblant d'adorer Dieu, mais ils le font pour sauver la face. On paraît innocent. Écoutez et faites attention. Il y a une guerre entre le bien et le mal. Écoutez. Et faites attention, il y a une guerre entre le bien et le mal. Mes frères et sœurs, si vous pensez que c'est de la blague et que tout ce que nous sommes en train de vous raconter ici sont des histoires, vous vous trompez clairement et vachement. Vous vous trompez vraiment et vraiment. Le 14 de ce mois, une star du coupé décalé a décidé d'abandonner. Mais pourquoi? Elle va nous faire des révélations et nous dire certaines choses qui vont même vous étonner. Écoutons. Le monde du coupé décalé ou encore de la musique est pourri, la musique profane est pourrie. C'est que de la sorcellerie. C'est que de la sorcellerie. Et de la méchanceté. Et de la méchanceté. Excusez-moi d'être méchant, je suis désolé. Le monde dans lequel je suis, j'ai été élevé, j'avais l'amour de Dieu. Et elle a décidé de quitter ce monde mauvais et de s'attacher au vrai Dieu maintenant. Pour que son âme soit dans la main de Dieu, parce qu'elle a compris qu'il y a un problème. Il faut qu'elle se sauve le plus rapidement possible. Je veux appartenir à Dieu. Je ne veux pas les likes, les gens de Facebook pour sauver mon âme. Et elle s'en fout que les gens lui donnent des likes ou pas. Ce qu'elle suit, ce qui l'intéresse en ce moment-là, c'est de sauver son âme. Voilà.
Vous pensez qu'elle est en train de rigoler avec vous? Vous pensez vraiment qu'elle est en train de rigoler avec vous? Vous pensez qu'elle est en train de rigoler avec vous? Vous pensez qu'elle est en train de rigoler avec vous? C'est bien réel. Maintenant, nous allons écouter encore une autre star qui va nous détruire. Écoutons-la bien. Le message à la jeunesse. Mon message à la jeunesse. Du monde africain, c'est de croire en Dieu. Mon message à la jeunesse du monde, c'est de croire en Dieu. Écoutez. Le message à la jeunesse du monde africain, c'est de croire en Dieu. Le message à la jeunesse du monde africain, c'est de croire en Dieu. Tranquillement, tranquille. Tranquillement, tranquille. Ah! Vous pouvez penser que c'est de la blague, que c'est la tête de rigoler avec vous. Mais c'est bien réel. C'est bien réel. Mon message à la jeunesse du monde entier, c'est de croire en qui? En Dieu. En Dieu. Pas n'importe quel Dieu, parce que comme vous venez de découvrir, il y a beaucoup de dieux, il y a des gens qui disent Dieu juste pour se cacher derrière le vrai Dieu, mais c'est pas tout à fait le cas. Il y a un autre Dieu, et ce Dieu-là aime le sexe. C'est celui-là même pour qui les gens chantent les danses comme Aroko, ou ils se positionnent en position de Kama Sutra, comme nous venons de vous montrer, des chansons qui parlent de sexe, Mapolo, Makwa, quoi, toutes ces danses. Toutes ces choses, le lécheur, il y a comme. Il y a tellement. Vous avez vu? Deux femmes s'embrasser comme ça. Comment vous avez même senti ça? Comment vous êtes senti? Ah! Et les enfants vont regarder ça. Ce clip a fait des millions de vues. Partout dans le monde, les enfants ont regardé matin, midi, soir. Et beaucoup même ont cherché même à savoir comment le répondre, le reproduire. Aujourd'hui, dans ce monde-là, quand les parents voient leurs enfants s'embrasser, au lieu de dire c'est mauvais, ils sont là. Regarde les enfants, ils sont s'embrasser. Regardez. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Cette femme a décidé de fuir ce monde. Parce qu'elle sait que ce monde-là n'est pas le monde de Dieu. Elle sait que le diable a été utilisé des superstars comme des marionnettes pour détruire le monde. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne le saurait. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et faites vraiment très attention à votre vie. Au fur et à mesure, on parle, les choses s'aggravent. Les vidéos qui vont même sortir maintenant. Ne soyez pas étonné que les gens même fassent la chose même à ciel ouvert, même tranquillement dans les clips. Nous sommes dans les derniers temps. Vous devez sauver votre âme. Ne dansez pas n'importe quelle danse. Ne chantez pas n'importe quoi. Faites attention.